résoudre un problème commun. C'est-à-dire qu'effectivement, ça pourrit la vie à tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est pas notre principale activité, hein, construire et développer des tapis pour ramasser de la sargasse, mais je trouve que c'est un enjeu qui est important pour la Caraïbe. Si la sargasse ne s'échoue pas et qu'on la ramasse justement sur un filet, elle ne dégagera pas d'hydrogène sulfurique. Donc effectivement, on pense que c'est une des meilleures solutions de ramasser avant qu'elle échoue. Voilà pourquoi on a construit des bateaux et on en construit d'autres, hein, bien sûr, avec des nouvelles technologies pour aller encore plus vite, puisqu'on s'aperçoit que quand il y a des grosses quantités, ben, il faut aller très vite dans le ramassage. En quelques jours, elle sèche, elle est composée de petites billes d'eau. Les billes explosent, donc elle n'a plus de flotteur. Elle se décompose, elle pourrit, et ensuite on va les rejeter en mer et elle coule systématiquement.